Je vous ai dit, ils fonctionnent tous carrés. Salut, ça va ou quoi? T'es dans les toilettes pour hommes, hein? Ah merde, pardon. Je suis... Oh putain, mais non, mais ils savent qu'on... Je suis sorti au cam, mais ils savent que c'est là? Vas-y, j'y retourne. Hein. Voilà, j'ai fait caca. Mais qui... Hé, t'es toujours dans les toilettes pour hommes, toi? Non, c'est les chats des filles. Non, regarde bien, ces filles. Hé. Bah, c'est bizarre. Bon, on y va ou pas? On y va ou pas? Mais non, mais on y va à la douche ou pas là? Oh, c'est les filles, pardon. Ah, ouais, pardon. Putain, ça fait 2 heures. Clochard. Eh, hey, comment ça, clochard? Toi, clochard. Ouais. Wow. Toi, là. Voilà, c'est bon, ça, l'argument. Avec ton jean délavé là. Oui, allez, tu veux moins 20 points? Oh, ça va, je rigole. Ouais, hey, ouais, va te doucher. Je m'excuse. Ok, bâtard. Vas-y, on va se doucher carré. Parce que là, tu vois, je sens la sueur avec cette journée de merde. Vas-y. Ah, ouais, putain. Mais tu vas pas te boucher avec moi, mais... Eh vas-y, on se barre dès qu'on peut, j'en peux plus là. Eh, tu sais où est la sortie? Bah je t'ai dit, j'ai un outil, je peux sortir où on veut. De quoi? J'ai un putain d'outil, gars. Ok, vas-y. Là, on se met en quoi là? On se met en quoi? En sport. Sport. Eh, tu crois que la conversation elle a servi à quelque chose ou quoi? Ouais, je crois. Ok. Mais carré. Il faut qu'on prenne des informations quand même, il faut qu'on continue, Jordan. Il faut qu'on gratte dans leur tête, sinon ouais, on va être perdu. Je sais. Bon, on fait quoi? Et t'as dit quoi, le proviseur, ou... Bachir? Ah, ça pue pour moi que je vais faire virer, moi. Viens dire, Brandon. Vous voulez pas qu'on sorte, là? Pourquoi il va se faire virer? Je sais pas. Mais change-toi, Kirby, avec ta tête de Malteser. Mais change-toi pas devant nous, va dans la douche. Arrête de toujours crier, s'il te plaît. Va dans la douche. Oh là. Ah ouais, tu... Toi, t'as des doudounes comme ça, toi. Ouais, man. Regardez, j'ai mon bonnet de cambrioleur. Mais tu vas cambrioler quoi? Stylé, putain. Bah ouais, non, c'est juste ma tenue de cambrioleuse, genre en mode super espionne. T'as déjà cambriolé, toi? Stylé, comme ça. Mais voilà, t'es trop stylé. Ah, mais là, personne peut te reconnaître. Hein. Ah ouais, tu trouves? Bah là, franchement, t'as tout camouflé. Bah toi, Kirby, on te reconnaît, par contre. Hein. Bah tranquille, j'ai ce qu'il faut. Et il fait quoi, lui? Il fait trop le malin, lui. Ça va, toi? Ce qu'il y a? Ouais, ça va, et vous? T'as besoin d'un coup de main ou pas? On peut t'aider si tu veux, non? Non, pas du tout, j'allais me doucher. T'es sûr que tu veux pas te contenter peut-être? Ah, mais c'est non, pas là-bas les douches, hein, là c'est regarde, les toilettes. Hein. T'as deux hommes rien que pour toi, rien que pour te savonner, mon gars. Bah, ouais. Attends, t'accompagnes regarde. À la douche. Regarde, t'en as deux rien que pour toi. Pas... Viens, on va t'emmener dans la douche, viens. Elle est là, la douche. Y'a pas besoin, ouais. Non. Bah, au pire. Viens, je te savonne si tu veux, d'accord? Non, mais attends, bah on discute que tous les deux alors. Non mais il rentre là. Mais comment tu sais? Il rentre là, je les vois rentrer là. Non là y'a personne. Non mais là ils rentrent tous là. Pourquoi y'a une chaise de barbeur dans vos doutes? Bah parce que on se coupe les cheveux et les poils. Entre vous? Ah ouais, non, carrément. Ça, qu'est-ce que vous... Eh déjà on change de survêtement là, t'es en rouge, t'as rien à foutre en rouge toi. Je t'emmerde. Eh t'as rien à... Comment ça je vais faire quoi? Bah là tu vas faire quoi là actuellement? Là de suite là, comme ça, tu vas faire quoi? Nova, vous êtes un garçon? Oui, j'ai. Ah ouais, tu penses que ouais, moi je suis un cam. T'as peur de gagner? Oui, toi Kirby, ok, mais Kirby, ok, mais Nova, non, je crois pas, non. Ouais, ok, bah c'est bon alors. Ouais, bah c'est bon. Regarde-moi dans les yeux. Puis c'est bien. Vas-y. Du coup, tu me disais quoi? Pourquoi tu fermes les yeux? Plus tes yeux là. Non. Parce que j'ai mal aux yeux. Ah ouais, c'est les yeux. T'as mal aux yeux? J'ai mal aux yeux. Du coup, il y a un problème, c'est ça? C'est quoi? Vous allez me tabasser? Non, on va pas te tabasser. Pourquoi on va te tabasser? On veut juste s'assurer que... Toujours ça, dans toi. La violence, toujours. On va s'assurer de quoi? Eh, change de survêt, je veux pas te voir en rouge. Attends, mais c'est toi qui vas me donner des ordres? Ouais, je te donne des ordres, tu vas faire quoi? Non, mais où là? Mais rien du tout, mais justement, c'est le cas. Dans vos chambres. Tu vas pas faire aussi. Tu vas rien faire du tout, je vais rester en rouge. Ok? Comme ça, si on m'attrape... Je les mioche. Ouais. Yep. Bah vas-y, elle est où ton armée? On discute, bon, les gars, faut aller en chambre. Ouais, mais là, il y a plus le temps, là. Faut vraiment aller en chambre. Mais là, vous êtes dans les douches des mecs, quand même. Ouais, oui, vous êtes okay. Eh, on peut pas se doucher en paix, là. C'est un truc de fou, putain. Laissez-nous nous doucher en paix, là, madame la pervers. J'aimerais bien que la fille, elle sorte, parce qu'on est dans les douches. Bah oui. Comme ici, et tout le monde le sait que je suis un cum. Je prends ma douche ici depuis le début, juste comme ça.
Vas-y, ok, c'est cool. En attendant, il va falloir se dépêcher. Ok, vous pouvez nous laisser. Laissez-nous 2 minutes. Ouais, 2 minutes. 2 minutes maximum. Non, mais laissez-nous nous laver. Allez-y, les filles. Ouais, faut partir. Mais attends, mais il a disparu. Mais non, il est là. C'est lui, le gars. Ouais. Non, il est là, regarde. Vous entendez? Non. Si, t'entends pas là? Mais qu'est-ce que vous dites là? J'entends une radio. Écoute, écoute. Je pense que c'est. C'est quoi que tu trafiques contre nous là? Tu veux aller jusqu'où exactement? Tu veux qu'on se détruise? Eh, commencez pas à me casser les couilles si vous voulez pas. Eh, arrête, 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 arrête! Putain! Putain! Madame, vous l'avez vu ou quoi là, ce bâtard là? Fouillez-le! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Putain! Ta gueule, ta gueule! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vous parle. Vous entendez pas ce qui se passe là? Ah, Kirby. Aziz? Chut, chut. Allez, bonne nuit les gars. Ferme. Qu'est-ce que t'entends par là, Andro? En tant que... Tu as commis quelque chose de grave tout à l'heure. Hein? Comment ça grave? Andro, Peterson, pour moi tout ça, ça va trop loin. Ça commence à aller vraiment trop loin. Vos expériences là, ça commence à nous dépasser. Et quand tu dis que ça risque de tomber entre deux mauvaises mains, j'ai vraiment le sentiment que c'est déjà le cas. Ziggen t'a surpris tout à l'heure. D'une conversation, je me suis approché. Il se trouve qu'Henri parlait avec un élève et a mentionné le club des quatre. Vous m'avez pas laissé le choix, hein. Vous êtes allé trop loin. Vous commencez à aller trop loin avec vos expériences. On a laissé le choix. On est dépassé. On t'a laissé le choix. Quand tu as signé pour rejoindre le club des quatre, tu avais le choix. Quand tu as décidé de venir prendre le portail avec Monsieur Smithy pour aller récupérer des animaux, tu avais le choix. Quand on est parti et qu'on a rencontré les créatures, tu avais le choix. Quand on a fait toutes ces décisions ensemble, tu avais le choix. Quand on a commencé à travailler dans les égouts, tu avais le choix. Tu as toujours suivi mes directives. En trop, ça va vraiment trop loin, ça va très loin, ça me dépasse. Ce n'est pas la peine. Tout ça devait arrêter. Mais qu'est-ce que tu vas faire peut-être, Henri? Tu vas voir une solution démoralisée. Mais qu'est-ce qu'il faut, cette connerie? Bah, en fait, le problème, c'est que... Le problème, c'est que... C'est dans une zone, mais dans quelle zone? Mais on entend partout, en fait. Partout où on va. Les gars, arrêtez de dire c'est HRP, bande d'abrutis. On l'entend partout où on va. Pourquoi c'est fermé, là? C'est fermé? Ouais, pourquoi c'est fermé, là? Ils nous ont enfermé, les bâtards. Attends, oh, tu peux crocheter ou pas? Tu peux crocheter? Ouais, ça dépend lesquels. Bah, vas-y, hein, c'est porte, hein. Ah, mais si on l'utilise là, on pourra pas l'utiliser pour deux. Et tu veux l'utiliser pour quoi d'autre? Non, mais attends, on est les seuls enfermés, on est seuls trou de balle de l'école enfermés. Man. Non, mais y'a un problème ou pas? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. Faut crier. Ouais, mais. Là, en fait, le problème, les gars, y'a pas de RP, HRP. C'est que déjà, bah, on a entendu. Aidez-moi. Eh. Oui. Ouais. Bella Jordan. Je peux poser une question simple, basique? Ouais. Pourquoi y'a que nous là? Et on est enfermés maintenant? Ils sont sortis les autres? Non mais y'a que vous quatre là. Et moi et Kirby et Aziz. Et ils nous ont enfermé la porte là du dortoir. Quoi? Ah, t'inquiète, on va sortir. Comment ça? Et on peut pas sortir. La porte en face est fermée. Ouais. Ah mais on va sortir quand même. C'est quoi cette merde? T'inquiète pas, on a fait des évolutions dans la vie. Bah oui. Mais non, elle est... Non, mais elle était... Mais vous êtes doux, mais c'était fermé. Non, elle était fermée, je vous promets, elle était fermée. Elle était fermée, man. Ah bah c'est qu'un élève s'amuse alors. C'est elle qui s'amuse. Bah ouais, pourquoi vous nous avez enfermés dans les dortoirs? Ah, ça me paraît compliqué, j'ai pas les clés. Mais qui a les clés alors? Ah bah je sais pas, on me les a prises. Les gars... Ah ouais, Bobby. Ah, quelqu'un vous les a prises là, à l'instant? Ouais. Pour le coup, je ne sais pas qui me les a prises, mais on me les a prises, quoi.
Tu les as prises quand? Parce que là, on vient de se faire enfermer. Bah, je sais pas quand est-ce qu'on les a prises, j'ai pas surveillé moi mes clés, j'étais pas avec. Mais là, on est encore enfermé là! C'était dans ma poche. Non, mais attends. Ok, vas-y. La porte, elle est encore fermée. La porte, elle est fermée. Non, mais là, elle est. Non, mais les gars, il y a un bail. Oh, c'est bizarre, c'est bizarre. Non, il y a quelqu'un à l'intérieur qui doit fermer l'intérieur, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui doit fermer et rouvrir, c'est pas possible. Bachir, viens voir. Vas-y, moi, je me casse. Je vais aller boire un. Un iced tea bien frais. Bah, je voulais boire un iced tea bien frais. Bah, ouais, mais le problème, c'est que non, vous êtes censé aller dormir. Vas-y, c'est bon, on a compris, la Rousseau. Oui, et ben moi j'applique les consignes, c'est tout. Et ben vas-y, je vais au distributeur pour un coca. Et ben vas-y. Ouais, on se casse. Mais faut qu'il y a tout le monde qui parte en même temps. Et là, on s'est mort. Ah, allez chercher les deux et on se barre. Et c'est quoi là le plan là? Bah. On était convoqués, nous, on n'a pas pu. Vas-y, on va pas attendre 20 ans, on se casse, c'est bon. On est enfermé ici là ou quoi? Quelqu'un qui l'avait de quoi ouvrir? Moi je peux plus ouvrir moi. Mais non, mais. On m'avait baisé le truc avec la porte. Les 20 ans. Aziz, il avait. Aziz, il avait. Faut faire vite. C'est bon, j'ai la ventilation. Y'a pas besoin de truc. Ouais, c'est bon. Mais t'as un tournevis? Mais je sais pas où c'est moi. Mais la ventilation. Faut faire vite. Mais la ventilation, faut un tournevis. C'est les toilettes des filles là. Mais non. Vas-y, faut faire vite. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Mais non, mais vous êtes sérieux ou quoi? Comment ça, on est sérieux? Bah, et on peut pas. Voilà, c'est bon. Moi, attends, ils m'ont dit qu'apparemment ils ont vu. Quoi? Descendre baby girl en bas et qu'ils l'ont jamais revu remonter, alors je sais pas si elle est déjà sortie elle, ouais, ou pas. Ouais, mais on s'est dit quoi dans la chambre? Ben oui, on sait... mais pourquoi il part aussi vite sa mère? Parce que il faut pas rester trop immobile. Non, mais tu veux pas attendre Aziz? Si, si, mais je regarde juste, t'es pas obligé de venir avec moi. Hein. Ah non, je sais pas, moi je sais pas. On les attend, mais je monte la garde. Il y a Bobby aussi. Bon, on avait une mission, c'est d'aller dans l'école, rappelle-toi. Vas-y, vas-y. Il y a quoi dans l'école déjà? Tu souviens moi, vas-y, vas-y. J'ai directeur. On doit aller récupérer des trucs dans l'école. Essayez de trouver Nova en attendant. Mais on se retrouve ici, là, ici même. Elle est où Nova? J'en sais rien. En tout cas, elle était pas à l'intérieur parce que les filles, elles m'ont dit qu'apparemment, elles l'ont vu descendre en bas et qu'ils l'ont jamais. Ah ouais? Bah apparemment, du coup, elle doit être dehors, je suppose. Putain, fais chier. Ça vaut le coup de l'attendre là, effectivement ou pas? Vas-y. Non, je l'ai plus là. La perdre. Faites gaffe, les gars, il y a du monde. Ah ouais, où ça? Eh, mais elle est là-bas, Nova. Regarde au fond. Mais elle fait quoi? Attends, c'est elle ou c'est pas elle? Vous allez où? Oh, oh, oh. Oh, y'a quoi là? Y'a quoi là? Y'a quoi? En train de discuter. Elle est dormir, elle est dormir. Oh, y a quoi? Elle est dormir. Mais elle passera rien, elle passera rien, frère, elle passera rien. Mais fais pas le fou, fais pas le nerveux! Vas-y, avance. Vas-y, avance. Putain! Prends un viseur, moi, je sais pas. Ah, t'es censé être tasé, cousine, hein, quand même. Hein. Vas-y, hein, avec le taser, on y va. Hein. Mais il faut que les autres viennent m'aider. Eh, on a un problème de fou, on a un problème de fou. Il se passe quoi? Oh, les rouges, ils sont en train d'embarquer Nova pour lui prendre sa pépite. Non, faut qu'on réagisse, on va la perdre. Ils sont en train de voler la pépite. Ils l'ont embarqué où? Ils l'ont embarqué juste à gauche. Mais je peux non, il n'y a pas de pistolet. Il n'y a plus de charge, il n'y a plus de charge dans le truc qu'on m'a donné là dans le taser. Il n'y a plus de charge. Il n'y a plus de pistolet. Et c'est pas mon taser. Moi j'en ai un moi, mais. On va le baiser. Mais oui, mais il faut sinon on perd la pépite. Allez, on va. Mais les gars, on va se faire fumer là. Mais non. Ils sont armés. On suit. Ils sont armés de quoi? On a un taser, c'est bon. Franchement, s'ils volent. Eh, Yende. Eh, viens là. Viens là, bâtard. On va l'enculer, putain. Vas-y, laissez-le. Go dans l'école. Toi, je vais te choper, toi. Tu vas prendre sale. Arrête-toi, on va niquer toi. Tu es mort ce soir. On va tuer toi. Arrête-toi, cousine. On t'a dit de t'arrêter. Tu comprends ou pas le son de tes bras? T'es qui toi? Ikeko, c'est bon. J'ai niqué. Vas-y, bien joué. Eh, on vous dit de vous arrêter là, ok? Pourquoi vous frappez Nova? Bonne de chien. Qu'est-ce qui vous passe bon, par là? Mais c'est les rouges, regarde-moi ces lâches par terre là, ça c'est que manger la pelouse. Attention avec ta lampe torche. Hamarava. Vas-y, bien joué, vas-y, bien bouge. La police là, j'ai qu'à le voir, attention là. Oh, il est là. Alette! Vas-y. Arrête de crier comme une salope, tu sais faire que ça! Arrête, gymnase. Gymnase. Baillonnez-le! Vas-y. À droite, il y a une porte, viens. Va à droite. De par là, ici. C'est l'autre porte, c'est là. Elle est où, baby girl? Elle est où? C'est là. Attends. Non, si, fais-le. Attends. Viens, s'il te plaît. Vraiment, pas de soucis. Quoi? On a croisé un autre rouge, il est dans le buisson.
juste là en face. Il est caché dans un des buissons en face. Okay. C'est celui là, celui qui suce. Ok, vous êtes cap, vous êtes déjà battu les filles. Ouais, pas de fou quoi. Moi j'étais un peu contre la violence de base quoi. Mais ils nous tapent la gueule à 24. J'ai cassé la gueule à deux meufs. Ok, vas-y, non, on les suit, on est derrière. Il y a trop bizarre, laisse-moi passer. Ça sert à rien de courir. Putain. Et toi aussi Jean-Charles, ça sert à rien de courir. On est tous ici, tout le monde ici là. Venez. C'est bon, vous arrêtez de pleurer là. Ah, s'il y a quoi là? Au cinéma, ça va durer deux secondes. Je sais pas. Eh, quand vous sortez des dortoirs, on vous voit. J'ai mon bureau, je vous vois. Alors, je sais pas par quel moyen vous arrivez à sortir. Mais si vous êtes incapable de le faire discrètement, eh ben ça vous tombe dessus, c'est comme ça. D'accord? Donc, vous allez tous faire un effort en commun. Arrêtez vos conneries, étudiez et arrêtez de vous balader de partout. Détachez-le. Extrêmement déçu de vous. Hein. Et particulièrement toi, Brandon. Hein. Écoutez, monsieur le proviseur, moi, je subis une mauvaise influence. Je suis qu'un jeune, je n'y peux rien, je suis un être humain, je suis obligé de suivre ce qu'ils me disent. Non mais là, vous sortez tous comme des moutons par troupeau de vin. Vous croyez que je suis aveugle? Bah, moi, vous êtes complètement fou. Moi, je fais partie d'aucun groupe, j'ai vu la porte ouverte, j'ai saisi l'occasion. Allez, tout le monde au dortoir, je vous raccompagne. Mais je voulais regarder les playoffs de NBA, monsieur le proviseur. Allez, suivez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Brinks, Barbanks, là. Oh, Barbanks. Elle est où Nova? Nova, elle est à l'intérieur. Elle est en sécurité? Elle s'est pas fait... Elle est dans l'école, elle est avec Kirby, ouais. Elle s'est fait racketter ou pas? Ouais, elle s'est fait racketter, elle était mal en point. Qu'est-ce qui lui a pris? Je sais pas, elle était en train de dire... c'est les rouges, mais je suis pas sûr. Oh non, on a... Individuel. J'ai pas pu avoir le psy pour vous aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce qu'ils font? Mais attendez, mais vous vous foutez de ma gueule! Allez, au dortoir. Mais attendez, encore des élèves dehors? Mais c'est pas possible. Mais je vais péter un plomb. Bon, je vous raccompagne, vous cherchez les autres. Enfin, obligé de faire la police, c'est terrible. J'ai pas pu avoir le psy pour vous, Amine. Moi, je voulais que... Elle est où, Nova? À l'intérieur, c'est pas. Vous savez pas? Sinon, venez, on temporise dans... Attends, forces de l'ordre. Clitoris. Des forces de l'ordre. Elle est où, Nova? C'était le cousin. Elle est dans l'école, je crois. Est-ce qu'elle s'est fait voler la pépite ou pas? Je sais pas, on l'a pas vu. Mais si, Nova, elle est à l'intérieur de l'école. Oui, mais est-ce qu'elle a sa pépite? Je sais pas, mais je crois pas. Je crois qu'elle a dit qu'elle avait plus rien. Mais non, on temporise dans les backrooms, sinon. Non, vas-y, c'est la merde là-bas. Ouais. Ça fait flipper là-bas. Mais va pas là-dedans, y'a le pont. Non, il est plus. Faut qu'on fasse. Ils l'ont raccompagné, dans le plan. Eh, mais comme par hasard, le directeur, il vient toujours au bon moment pour sauver Amine. Amine. Mais Amine, il est complice. Non, c'est pas un château, il est complice, frère. Tu crois? Quoi? Je cours parce qu'il court, hein. Aussi. Quoi? Pourquoi tu cours? Oh, clitoris. C'était qui? Je sais pas. Oh, Brandon. Cachez-vous. Il est où, Bachir? Eh, il est où, Brandon? Rentrer, le proviseur. Oh, Brandon, ils lui ont pété sa pépite, frère. Bah ouais, bah qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis dépité avec une bombe à poivre, oh les gars. Pourquoi elle s'est écartée de nous? Ils nous avaient dit de rester ensemble. Ça rend fou. On était tous ensemble, hein. Il manquait qu'elle. Elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Mais c'est vrai, pourquoi elle était pas avec nous? Par contre, attendez, Amine, il est complice du directeur, c'est pas possible. Pourquoi il y a le directeur à chaque fois? Il est tout le temps là. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille ouvrir. Vas-y, le tout pour le tout. C'est vrai. Mais comment on le sort? Mais il va ressortir de toute façon par la trappe. Ouais, tu vois, Brandon, ce que tu viens de dire, ça prouve que t'es un homme de confiance. Je suis dépité. T'as déjà confiance en quelqu'un? D'accord, t'as confiance trop facilement aussi. Vas-y, go. T'as peut-être raison. Ganes, t'as vu Ganes? Il s'est fait fusiller, etc. Ouais. Et les Yakuza, oh, Bachir! Ouais, ils l'ont pris en otaz. Viens, Bachir. Venez, on vous attendait. Vas-y, on va ouvrir. Yakuza voulait absolument Zone Douglas. Ils ont volé parce un. Parce que Zone Douglas a volé quelque chose aux Yakuza. Et les Yakuza, c'est pour ça qu'ils les ont volés. Et que John Sir Doug Zebe, il a volé les plus de choses. Il a volé quelque chose aux Yakuza. Non! Oui, c'est pour ça que les Yakuza. Non, mais il s'est passé un truc là. John, il a volé un petit biche. Écoute, ils me sont tombés à 4 dessus, ils m'ont mis dans un coin. Keiko, elle avait des cocktails Molotov. Je sais pas comment elle a eu ça, elle m'a menacé avec des cocktails Molotov. Mais pourquoi t'as pas crié? Et parce que j'étais menacée, elle avait un cocktail. Non, dans les dortoirs, dans les dortoirs. Parce que j'étais tout. En fait, je vous explique, ils vous ont enfermé, j'étais toute seule dans les dortoirs. Et mais nous, on était là, tu m'as même pas parlé. Mais si, ils ont enfermé. Mais quand, non, je te quand jure, je vous ai cherché, il y avait plus personne. Non, ils étaient là, eux, ils étaient dehors. Mais je te jure, il y avait personne.
Quoi? Et donc du coup, je me suis dit, vous étiez tous sortis. Donc j'étais dehors. On a perdu les gars. Attends, écoutez-moi, ce qu'ils ont fait, c'est fou. Ils avaient des cocktails Molotov, ok? Donc Keiko avait des cocktails Molotov. Ils avaient des gazeuses pour gazer. Mais d'où ils avaient des barres pour me tabasser. Bah oui, ils avaient des snipers intervenants. Les gars! Mais je rigole, ils avaient des tanks. Attendez, ils m'ont traîné, ils m'ont fouillé. Je leur ai dit, j'ai rien. J'ai essayé de mentir. Ouais, j'ai essayé de mentir. Je leur ai dit, j'ai pas de pied de biche et tout. Ils m'ont pas cru. Ils étaient sûrs d'eux, en mode, je sais pas, peut-être qu'ils ont un truc aussi pour fouiller des casiers, tu vois? Donc là, on en a pas assez? Et attends! C'est moi qui ai les pieds. Les gars, attends, c'est pas sachez que les rouges. Attends, écoute la suite. Ils m'ont traîné dans le casier. Ils m'ont forcé à leur donner un pied de biche. Ensuite, j'étais au sol. Et ils se sont rappelés qu'il y avait la pépite. Et ensuite, ils ont voulu me retraîner pour que je leur donne aussi de la pépite. Oh, baby girl, ils commencent à se faire. En vrai, si on a assez, attendez. Venez, on perd pas de temps. Non, mais venez, on ouvre. Là, on ouvre. Vas-y, on ouvre. Non, on ouvre. Venez, s'il vous plaît, venez, on va les choper. Moi, je peux rien faire. On peut pas. Mais venez, on va les choper. Mais on ouvre, on ouvre. Non, mais il y a la police et tout qui traîne. J'ai croisé. J'ai croisé l'ongle de Keiko. Vas-y, Bachir, Brandon, venez. Attendez. Nova Baby Girl, je t'aimais beaucoup, hein. Mais cette histoire, elle me paraissait bizarre quand même. Ils ont attrapé toi sans que nous on t'ait vu de prendre la trace. Ils ont menacé toi, ils ont tout pris. Qu'est-ce que tu peux dire avec sur toi? Mais non, on devait se rejoindre, c'est pour ça. Elle est partie récupérer tout ça. Regarde dans l'état qu'ils l'ont mise. Les gars, plus on reste ici, plus quelqu'un va faire une ronde et on va se faire voir, par pitié. On ouvre ou pas, on ouvre ou pas ce putain de truc là, cette pièce. On a tout. S'il y a tout le matériel, let's go. Brandon, c'est ton call, vas-y. Brandon. Par contre, il y a le directeur érodé, hein, je l'ai vu. Brandon, c'est ton moment. Il a appelé la police aussi, il a dit qu'il a vu des armes, donc il a appelé la police. Vas-y, on y va. Il n'y a pas quelqu'un qui veut... Attends, personne veut éteindre les lumières d'abord. Et par contre, Brandon, t'éclates là. Et hey Brandon, j'ai peur. T'es la prochaine cible des rouges. Parce que quand j'ai parlé à Amine tout à l'heure, il voulait des infos sur les pieds de biche. J'ai fait genre, je savais rien et il m'a dit ouais, de toute façon, je sais que c'est Brandon. J'avais même pas calculé qu'elle avait un molotov dans les mains. Tout le monde est la cible de tout le monde. Venez, on agit. Ça, je l'avais même pas vu. J'avais vu une flamme, mais je croyais que c'était une torche. Je rigole même pas. Je croyais que c'était une lumière qu'elle avait. Moi, j'en ai aussi, donc je viens. Pour le coup. Il en reste un, je m'en bats les couilles, qui, mais démerdez-vous. Vas-y. Écoute, moi j'en veux un, frérot, j'en veux un. De toute façon, on va ouvrir et après on va tous rentrer. Ah oui, vas-y, allez. Attendez, sauf que là on a un gros problème. Ils savent que la pépite elle est dans mon casier, il faut la sortir. Ouais, j'avoue, faut la mettre dans un autre. Mais on se sépare. Non, je l'ai pas. Ah bah alors, bah mettez-le dans un autre casier. Les gars, on va perdre deux groupes, on va perdre deux groupes. Non, tout le monde y va. Et ils sont sur Écoutez, Brandon. Attendez. On va faire un groupe de 4 qui va ouvrir le truc et ça se trouve, on va même pas descendre. On va voir si on peut descendre. Et l'autre groupe, vous allez y aller dans l'école récupérer la pépite. Envoyez un premier groupe en éclaireur et le deuxième groupe y suit. Mettez Nova dans le deuxième groupe. Voilà, vas-y. Ça change rien. Allez, baby girl, je t'accompagne à la place. Ouais, vous êtes le deuxième groupe après, hein. Laissez le premier groupe devant. Qu'est-ce qui va se passer? Brandon, ouais. Bobic, Kletius, viens. Est-ce que vous avez des armes sur vous là? Jordan, il vient avec nous. Jordan, il vient avec nous. J'ai rien. Ah, pas besoin d'armes, va juste dans l'école. Va juste dans l'école. Mais laissez d'abord le premier groupe y aller porter, tu vois, comme ça, s'ils sont attrapés, vous savez. Et au pire, ils font diversion. Eh ben, démerde-toi avec les mecs là-bas, t'inquiète. Juste allez-y. Mais c'est pas Bachir, je sais pas ce qu'il fait. Oh, Bachir. Ils aiment trop parler, frère. Vas-y, on y va. Nous. Vas-y. Attendez, je donne les pieds de biche. Moi j'en ai un, c'est bon. J'en ai rien. Bobby, je suis obligé de le donner à Jordan. Ça change rien. Vas-y. Tu rentres avec nous. De toute façon, il servait à rien. C'est ouvert. Vas-y, on y va. Allez, viens. Juste celui qui crochette pas, fais le guet là, s'il te plaît. C'est bon. Allez, attends, je prends le dernier. Vas-y. Vous êtes prêts? Vas-y. Deux. Attends. Okay. Attends, faut le prendre d'abord. Prendre dans sa main, attention. T'es sûr qu'il faut prendre dans sa main? Oui. Faites vite. Vas-y, trois. Attends, il est pas prêt, Bachir. Attends, c'est bon. Trois, deux, un. Bismillah. Ouais, dégage. My God. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, je déplace. Allez, trois. Deux. Allez, go. C'est parti. Allez. Votre bec d'aigle! C'est trop lourd! Il faudrait un truc pour le porter. C'est quoi un bec d'aigle, les gars? C'est quoi ça? Revenez, faut se cacher. Ouais. C'est quoi, frère? On a des pieds de biche!
Putain. C'est quoi un bec d'aigle, frère? Un bec d'aigle? Attendez, je vais regarder sur internet. On peut pas receler. On peut pas receler sa mère. Le bec d'aigle, c'est un truc pour porter des trucs lourds. Je vais regarder sur internet. Oh, ta mère. Vous avez récupéré la pépite ou pas? Ouais, c'est bon. Non, mais mettez-la dans un autre casier, la pépite. Je pense que c'est mort pour ce soir. Si on a besoin dans le tunnel, t'imagines? Non, non, si on ne peut pas. Besoin. On ne peut pas aller dans le tunnel. Il nous faut un bec d'aigle. Mais moi, je vous le dis, tant que les. Tant un bec d'aigle. Tant que les rouges ne mettront pas du sien, parce que c'est sûr, ils doivent avoir des trucs comme ça. Il faut qu'on soit à 4 de chaque couleur, c'est sûr. Il faut que ça soit un de chaque couleur, c'est sûr. Bah, dans tous les cas, personne n'en a là. Non, mais, ça veut dire qu'on a, décelé pour le mec qui a le bec d'aigle là. Bah, c'est ça. Mais on a. Mais arrête de t'énerver, il faut juste rester devant. S'il a le bec d'aigle, ils doivent être 4 pour ouvrir. Donc on va juste rester devant. Et vous voyez, il a été trouvé? Vous voulez pas qu'on cache la pépite là? Les gars, attendez, écoutez-moi, Brandon Jordan, attendez. Les gars, on a un avantage de fou sur eux. On a une vision nocturne, d'accord? Si on éteint la lumière, on rentre dans le dortoir. Avec la vision nocturne, personne ne voit. Je leur arrache leur mère les putes, on récupère le bec d'aigle. Et on a 4 petites biches, on rentre, on leur baisse leur mère. Mais voilà, exactement, il a tout dit. Les gars, restez les pieds sur terre, tu vas arracher qui avec 4 pieds? 4 pieds de biche, on va tous finir en prison. Bah ouais, c'est. Vous voulez frapper des élèves avec des pieds de biche? Mais oui, des élèves, ils nous tapent bien avec des. Ils ont des cocktails. Ouais, ils avaient un cocktail molotov. Ils t'ont brûlé, ils t'ont juste. Ah bah ça va alors, ils ont juste brûlé. Mais ils tabassent aussi avec des trucs là, des. Comment ça s'appelle? Ils étaient bien sadiques, ils s'amusaient bien avec moi, ils m'ont bien. Mais vous êtes sûr qu'ils ont le bec d'aigle ou pas? Parce que sinon, ça sert à rien. Non, mais de toute façon, il en faut 4, je crois. Je crois qu'il en faut 4. Si les logiques sont bonnes. Il faut aller chercher, moi, je pense. Ça ressemble à quoi un bec d'aigle? Ça sert à rien. Vas-y, ben. C'est bon, on monte à la piste. Brandon, les gars, on est 10. Tu penses pas qu'il faut remettre la pépite dans un des casiers? Parce que s'ils reprennent en otage quelqu'un, on est mort. Mais ils vont pas reprendre en otage, t'inquiète. Ok. Parce qu'après, sinon, faudra aller la rechercher encore et encore et encore. Ouais, ok, vas-y, carré, je fais confiance. Non, moi, je suis, les gars, mais je propose. Moi, je pense, faut juste pas que ce soit Nova qui l'ait. Ouais, je suis d'accord. C'est bon, elle a plus. Ok, c'est bon, j'ai capté. C'est bon, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Ah, mais c'est un véhicule, le bec d'aigle. Ça va, Nova? C'est un objet. Hey, j'avais même pas vu. Tu sais qu'ils m'ont humilié ou pas? Ils m'ont vraiment humilié. C'est vrai, baby girl. La meuf avec le cocktail Molotov, moi j'ai cru que c'était une torche. Je l'ai niqué là, pique mon mire. Non, elle avait un cocktail Molotov, genre. Mais tu l'as pas tasé? Alors il y a deux possibilités, si tu veux mon avis. Soit le concierge. Tu l'as pas tasé avec son cocktail? Soit de chimie peut-être? De quoi? Tu l'as pas tasé avec son cocktail? Non, j'ai pas de taser, c'est. C'est comment ça s'appelle? C'est le concierge. Il a tout dans le concierge. C'est comment ça s'appelle? Putain, c'est Kirby. C'est un levier. Moi aussi, c'est mon avis qu'on écoute. On nique les rouges. La vie, c'est une gaufre. La tête d'homme, c'est une gaufre. Cascade! Oh putain, sa mère! Oh! Je te rattrape. Ça a rien de venir. Ouais, elle a fait trop de bruit là. Monsieur le concierge, c'est Brandon, j'ai quelque chose pour vous. Il faut qu'il voit que Brandon. Cache-toi, Bobby. Monsieur le concierge, j'ai quelque chose pour vous. Vous êtes là? Il a retrouvé son rat. Il l'aime trop. Monsieur le concierge! Il est pas là, sinon il m'aurait ouvert. On peut pas ouvrir la porte, y'a personne qui lui reste quelque chose. Y a pas les clés. Je pense pas qu'on puisse ouvrir ça. Non, tu peux pas. Ok. Ouais, mais attendez, si Bachir a raison, ça veut dire qu'il faut 4 becs d'aigle. Non, mais écoutez, moi je vais vous dire un truc. Il en faut les 4 parce que c'est dans les 4 coups. Moi je propose qu'on sait. Moi je vais vous dire un truc. S'ils m'ont agressé pour avoir un pied de biche, c'est qu'ils ont une avance sur quelque chose, donc ils doivent avoir un truc intéressant, c'est sûr. Ouais, c'est. Attends, ils t'ont agressé juste pour un pied de biche. Les gars, à mon avis, d'ailleurs, rendez-moi les pieds de biche. Ils ont les becs d'aigle. Mieux vaut les unifier. Peut-être qu'ils en avaient besoin que d'un. Moi, je garde le mien. Ouais, toi, c'était le chien. Peut-être qu'ils en avaient besoin juste un en fait. Non, mais eux ils ont les becs d'aigle, nous on a les pieds de biche. Donc c'est. Regarde, parce qu'après ils t'ont laissé tranquille dès qu'ils avaient le pied de biche. Attends, bouge pas, viens, Brandon. Ah, pardon, désolé. Ouais, mais après sinon, avant qu'ils repensent à la pépite, ils voulaient juste un pied de biche. Un seul, ça leur suffit. C'est bon? Pareil. Donc à mon avis, ça se trouve, je sais pas. Ouais, mais on leur a ouvert la porte potentielle, tu vois. Amine a tellement de choses que ça m'étonnerait. Bachir il était derrière. Il est où, Bachir? Oh, Kerb. Ouais. Traîne jamais toute seule tant que t'as la pépite, ok? Mais t'inquiète pas, man. Okay. Hey, personne sait. Ouais, carré. Parlez vers. On fait des groupes de deux, je pense. Je viens avec toi. Allez chercher. C'est quoi le plan? On revient ici dans 10 minutes. C'est quoi le plan?
Donc 10 minutes, hein. On est d'accord. 21h25 au stade. Dans la bibliothèque, partout, allez chercher. 2h25 au stade. On essaie de chercher le bec d'aigle. Ouais. Faites des groupes de deux. Faites des groupes. Je vais dans l'école. Oh, c'est quoi les bails là? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on cherche, frère. Et on est d'accord. Tu m'as emmené dans les casiers pour rien. Mais attendez, un bec d'aigle. Non, franchement, pendant que je pissais, je voulais que tu couvres vraiment les casiers. Mais attendez, vous croyez vraiment qu'on peut trouver un bec d'aigle comme ça au sol? Sinon, les gars, ça m'étonnerait. Les gars, j'ai une idée de fou. Vas-y. On a trouvé une moto avec la clé dessus. On s'échappe de cette école de fous et voilà. Pourquoi on se risque notre vie là? On va aux Bahamas, je sais pas moi. On va au Nouveau-Mexique. Avec une moto, tu vas aller aux Bahamas, bâtard. Non mais t'es totalement con, à 3 sur une moto. Méfie-toi, on était à 3 dans une voiture de place et elle volait. Donc, au pire, on te tabasse et on part que nous deux, frérot. Mais pas besoin de me tabasser, juste tu dis on part nous deux et je te laisse, je m'en bats les couilles. On cherche bibliothèque, on va à bibliothèque. Vas-y. Bibliothèque, y a moyen bibliothèque. Putain, mais les rouges, c'est vraiment des petites salopes quand même. Eh, c'est quoi là-bas en face là? Les gars, la plaque, c'est les maisons. Pas la laisser seule, non mais ça là, ça c'est quoi là-dedans? Il ouvre. Bah c'est un local. Ok, vas-y. T'as sonné? Ouais, Starf. C'est ça ma moto. Ok. Mais les gars, vous avez pas une télécommande? Attends, pourquoi? Parce que le mec en face, il demande une télécommande, il te donne quelque chose. Eh, j'ai pas une télécommande, mais j'ai un boîtier de piratage. Mais c'est pas la même chose, je pense. Ouais, c'est pas la même chose. Ok, carré, j'ai essayé. C'est essayé. Puis en plus, bon, c'est mon boîtier de piratage quand même. Ouais, c'est vrai. C'est celui qui t'a fait. Eh, ça va, on travaille ensemble, ça va. Ouais. Ah, putain. Oh, les bâtards, c'est pas là. Non, peut-être l'entrée tout court. Eh, regardez bien partout, tout le temps. Il y a un man de loin, on court. Si on pouvait désactiver les lumières, je pourrais utiliser la thermique, Bobby Bobs. Marche discrètement, Bobby. Non, y'a rien. Ouais, y'a rien. J'espère que les autres, ils font tous les coffres des salles de classe, hein, parce que là-bas, on a trouvé des trucs. Hein. Bah, le boîtier, c'était dans la classe de SVT, par exemple. Les coffres de salles de classe? Vas-y, viens, ouais, on y va. Dans chaque bureau. Viens, on y va. Mais les autres, ils y sont pas? Bah, je sais pas. J'ai été le seul à être entré dans la cour, en fait. Bobby! Et si on laisse Bobby, il va mourir. Bobby! Mais pourquoi? Bah parce que il va avoir peur. Il est teubé. Bobby. Non, il est pas teubé, mais il va avoir peur. Ah, je lui dis que t'allais avoir peur tout seul. Eh, hey, venez. J'ai vu un symbole. On a fait 1000 fois le tour. Attendez. Hey, j'ai retrouvé ton carnet, Jordan. Chut. Dans l'étage de gauche, j'ai trouvé un. Oui, on l'a déjà pris. Comment on a déjà pris ça? Bien joué. On a déjà pris tout ça. Vas-y, viens, on va à l'école direct. Allez. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.